Hey, et rebonjour à tous, bien sûr. Je crois que ça va vraiment devenir ma marque de fabrique, Ouais, ça. Oui! faut qu'on aille en tôle. Quoi? Comment ça? Dis-moi tout. Quoi? Attends, Faut qu'on respire aille un bon coup et en redis-moi tout. tôle. Faut qu'on se barre en tôle. Pourquoi? Faut avoir du respect. Ah! Bon, j'ai déjà du respect, moi. Je me suis pris une balle pour le club. Hein. Mais comment on fait? Pour te prendre une balle dans le club. Pour te prendre une balle? Ah non, pas maman, pas. Je peux déjà te donner une batte, mais. Non, non, mais comment, faut que j'aille faire une épicerie, ça, et faut que je frappe le flic. Mais tu peux venir avec moi? Oh, là, j'ai un rendez-vous là. Ça va. Non, mais si, c'est pas maintenant, parce que moi j'ai du ravitaillement à faire. Bah, peut-être plus tard, oui, avec plaisir. Parfait. J'ai peur en fait. Ouais, faut Tu pas. sais, est-ce qu'ils vont pas avoir un abus de pouvoir et me faire fracasser la Eh, gueule tu par une sais. Ah, balle? bah, ça, si, ça c'est possible. Tu sais que. parce que j'ai fait. Ouais, j'ai fait de la drogue quand j'étais plus jeune. Mais après, quoi. Depuis que je suis devenu Lost, je me suis jamais fait choper. Épicerie, bijouterie. Tout ce que tu peux imaginer. Je me suis jamais fait choper ni par les flics ni par le FBI. Putain, pourquoi le FBI? Oh, bah. Une fois, en Arizona, ils sont venus nous tomber dessus. Ouais, en fait, disons que la ville était un peu, c'était un peu le bordel. Hein. Il y avait Ouais. un peu tous les groupes de bikers et tout qui foutaient vraiment la merde. Et le FBI a débarqué en mode, bon, on va rétablir l'ordre et la justice. Bah, on a kidnappé trois des leurs, on en a Putain. tué un et tout le FBI est reparti. Ah oui, ok, d'accord. Vous galérez, vous, là-bas, hein? Ouais, là-bas c'était violent. Bah, C'était c'est très vrai. violent. Ici, Mais on c'est s'est mieux. jamais fait choper. Par contre, il faudrait vraiment que j'aille en tôle. Ah bah, si tu veux, je t'amène au Comico et je leur dis de te foutre en tôle. Je sais pas si ça se passe comme ça. Bon, après, s'il y a une bagarre de rue et sans faire exprès, je te mets un énorme un coup de couteau dans les côtes et ce serait une tentative de meurtre. Ouais, totalement. Bah, ça Toi, dépend si je porte plainte ou pas, en fait. et on le fait devant le comico. Après, c'est toi qui vois. Je vais pas me prendre un coup de couteau pour que t'aies un point de tôle, putain, mais. Aïe, aïe, aïe. Je sais pas, Bon, tu à vas toute voir un alors. flic, tu lui dis bonjour, et puis tu sors ton couteau et RAH dans les côtes, entre les côtes. Mais là, il n'y aura plus personne. À mort. Bah si, généralement ils se baladent à deux, tu vois, t'attends une patrouille à deux. Mais si je fais ça partira pas en simple garde à vue, ça partira en procès. Ah bah oui, bah là du coup tu vas aller en tôle, oui. Mais Ah, pas mais aller en tôle. attends, non, non, non. Mais c'est pas Non, d'accord, toi possible. tu parles de garde à vue, tu parles... Non mais d'accord, la tôle et la garde à vue, c'est pas la même chose, hein. La Non, tôle, mais moi... je vais aller en prison. Je vais aller en prison. Ah Je vais aller mais en prison. la prison, c'est pas le comico, en prison c'est la fédé. C'est la fédérale, je te fous, j'aille en PD. Ah bah voilà, bah là tu vas y aller pour 6 mois, tu vas être content. Non, mais je vais y aller, je vais faire une épicerie et puis je vais frapper le flic à un moment et je pense que ça passera. Donc je le ferai tabasser dans la rue et puis. Aïe aïe aïe. On verra. Allez. Ou sinon, ce que tu peux Oui. faire, tu prends une voiture et tu fais le bélier sur une de leurs voitures. Oui, et là, encore une fois, je me ferai juste tabasser. Parce que là, il n'y a même pas de. Faut trouver quelque chose. Faut qu'on trouve un Épicerie. plan. Épicerie, il faut que je frappe le mec. Épicerie, je fais une course-poursuite. Au lieu d'obtempérer, délit de fuite. Je tape un truc. Le flic qui sort, je lui en mets une. Je dis, c'est stressé, je m'arrête, je me rends. Ça peut marcher, ouais. Je Même si au final, je me demande que si le fait que tu te rendes, ça va pas les inciter vais à leur pas te mettre une mettre dans de sa gueule tôle. là. Hein. Mais en vrai, si je pense que si tu leur en mets une, en vrai, Je ils leur vont mets pas une te dans faire sa cadeau. tronche à l'autre là. Et je me rends mal. J'ai stressé. Arrêtez! Arrêtez! Et je me J'ai rends fait et je me ça, casse ouais, la j'ai fait ça patte! un jour. Voilà. Allez. À toute, hein. À toute, ouais, je te retrouve en prison. Ça marche. Aïe, aïe, aïe.
On va à Rennes. On va au Rennes. Ou pas. En vrai, je me rends compte qu'il est vachement tôt et que j'avais pas prévu de revenir aussi tôt sur le jeu. Bah bon, du coup, donc j'ai vérifié, parce que j'avais un problème, un petit problème avec Resident Evil 7. En fait, c'est que le jeu était pas prévu pour le widescreen. Mais du coup, j'ai réussi à le patcher. Du coup, maintenant, on a un beau widescreen, bien comme il faut, là. Il n'y a plus de bande noire ni rien. J'ai réussi à régler le FOV, et là, je suis en train de télécharger un petit... Comment ça s'appelle? Je suis en train de télécharger un petit mode graphique qui va rehausser les textures. Par contre, en vrai, 3000, ouais, je suis en 3440 par 1440. Et le jeu, avec l'AFOV, tout à fond, ray tracing et reshade, tourne seulement à 88 FPS pour l'instant. Et là, je me dis, en vrai, avec l'installation des textures, il y a moyen que ça redescende à 50. Il bouffe énormément. Ouais, je pense surtout qu'il est mal opti. Bah, je pense déjà, oui, parce que de base, il est pas opti pour le. Il est pas opti pour le widescreen, donc il y a moyen que ça joue énormément. Mais même, ouais, comparé à RE4 qui est. 10 fois plus beau et qui tourne deux fois mieux. Hein? Petit problème dans ma plantation. Pourquoi ça pousse pas? Est-ce qu'il y a du monde au yellow? Et God bless! Les gens, ils. Et God bless. God bless, ouais, il chasse à tour de rôle, ça pourrait se faire. Ça va. Là, je vais attendre sa réponse. Après, moi, en vrai, ça va, il manque que 20 000 environ, donc pour les 80 000, donc ça va vite se faire. Moi, soit j'ai des thunes larges. Enfin, large. Mais après, ce qu'il faut prendre en compte, c'est aussi qu'on a un compte à quasiment 800 000 avec Nina, quoi. Ça aide pas mal. Et je sais très bien que même si je tape 80 000 dessus, elle me dira rien, donc. En soi, c'est pas qui est-ce qui lui a mis dans la tête, c'est comme ça que ça marche en fait. Si tu veux que les gens dans la rue te respectent et que tu puisses avoir accès à la bande de Boba et de Purple par exemple, il faut que tu ailles en prison et que tu ailles faire tes preuves en prison. C'est là-bas que tu gagnes le respect. Mais on en a parlé hier justement parce que je sais plus pourquoi. Ah bah Scott il a demandé d'aller vendre des. Justement, tu sais hier après-midi on a pété les Bloods là. On a récupéré de la boba. Et il aurait demandé d'aller vendre vite fait les 40 pochons, mais bah aucun d'eux était respectant en fait. Et donc il leur a dit, ben les gars, faut aller en prison quand c'est comme ça. Et c'est pour ça en fait que Bouddhi veut y aller. Oui. Pour te donner une idée, Warren, je sors de 4 ans de prison là. Il y a 4 ans, quand on avait les deux chapters, on a tapé la Pacifique.
Ouais, sans masque et j'avais une armurerie sur moi. J'ai été arrêté avec un Uzi, un 9 mm. Sur moi, j'avais pas loin de 200 000 dollars. Ouais, parce que Scorp, avant de prendre l'avion, il a distribué la part à tout le monde. On devait se séparer. Et bah, ce qui s'est passé, c'est que Body, à l'époque, bah, du coup, que t'as pas vraiment connu, toi, Body. Et il était presque du chapter nord. On avait deux chapters, un ici sur Sandy et un bah, comme le chapter actuel, tu vois. Et Body, c'était mon presse, et ben, à l'époque, on n'avait pas de nouvelles. On était tous en course-poursuite. On avait une radio, on discutait, et Body donnait pas de nouvelles. Et on savait pas s'il s'était fait arrêter ou s'il était juste dans l'incapacité de répondre. Donc j'ai décidé avec un autre d'aller le chercher plutôt que me barrer. Sauf que on tournait, on le trouvait pas. Et au moment où j'ai dit au mec, ça fait 45 minutes qu'on le cherche, on l'a pas trouvé, il doit s'être fait arrêter, on se barre. On a croisé une voiture de la SHP. Et étant donné que sur le braquage, on n'était pas masqué et qu'on avait nos cuirs, ils ont vu les cuirs, ils ont vu nos gueules, ils ont allumé leur giro, ils nous ont pris en poursuite. Et malheureusement, ben, on a eu un léger accident qui nous empêchait de nous servir de la bagnole. Le mec, il m'a dit, on fait quoi? On descend, on les allume. On avait de quoi les tuer, hein, clairement. Mais ben, on savait très bien qu'ils avaient appelé du renfort. Et je lui ai dit, on va pas rajouter meurtre sur agent de l'État à nos peines de prison. Donc non non, on tente de se barrer en courant et bah malheureusement on n'a pas réussi à se sauver. Enfin moi j'ai pas réussi, lui il a réussi. Et du coup j'ai rejoint Lip, Cliff que tu n'as pas connu et T-Dogs en prison. Parce que Body en fait ce qui s'est passé, pareil toi tu l'as jamais croisé, je sais même pas si H elle l'a croisé. Qui? Mais la régulière de Body. Ah non, jamais. C'est une ancienne flic, à l'époque elle travaillait encore pour la police, sauf qu'elle l'a aidé à s'évader. Ah Donc, ouais? oui. Bon, autant te dire qu'elle travaille plus pour les flics depuis longtemps. Mais ouais. Mais du coup, on a dû, bah, comme tu t'en doutes, on a dû dissoudre les deux chapters existants à l'époque. On venait de taper la Pacifique, enfin, ceux qui étaient en liberté se voyaient mal de rester sur le territoire. En mode coucou, c'est nous les gars! Ça aurait été un peu compliqué. Ouais, Elise, elle me répond pas, je fais la fumée. Mais ça sent un peu mauvais, ça veut peut-être dire que ça dure longtemps les permis de chasse, H. Ah, patatrouille. Désolé, j'ai Bah ouais, parce oublié qu'elle de réactiver le avait. micro. J'ai vu qu'elle avait un truc à 17 h. Elle me l'avait dit hier. Mais en vrai de vrai, bon, je te partage l'info, mais voilà. Hier, elle m'avait dit aussi que. Bah, elle savait que j'étais en fauteuil. On avait discuté vite fait au téléphone. Elle m'avait dit qu'en vrai, il y avait moyen de s'arranger pour qu'elle nous les fasse passer sur le côté, tu vois. Genre en mode, il y a pas de session de prévue, mais si elle est dispo, on lui passe un appel et elle fait passer le permis de chasse Ok. tranquillement au Lost. Mais bon, Vous de commencez à base. avoir des contacts, hein, c'est cool. En soi, on a toujours eu des contacts. Ouais, mais ces derniers temps, les espions, ils sont là et c'est cool, tu vois. Bah regarde, j'ai appelé Ted qui veut devenir support et qui n'est même pas encore. Je lui ai demandé si je pouvais faire ma séance de réduc cet après-midi parce que bah, hier il m'avait dit demain, tu vois. Il m'a dit bah oui, viens direct à l'hôpital et on fait ça. J'étais en mode Lequel? let's go! Je me demande ce que débile de cette nouvelle par contre. Je sais pas. Parce que
Bah ça vous êtes pas au courant, vous n'étiez pas là du coup hier. Hier il y a le secrétaire qui est venu me parler devant le casino. Qui bah globalement il m'a dit qu'il était content des changements de présidence et tout ça. Parce que les bits ont toujours eu du mal avec Body. Ouais. Et après il m'a demandé s'il y avait moyen d'avoir un rendez-vous et juste bah il y avait qu'à un peu plus loin, je lui ai dit bah tu regardes là-bas il y a la secrétaire adjointe, tu prends rendez-vous avec elle et on a rendez-vous après-demain à 21h30 avec eux. OK. Donc je sais pas trop pourquoi. Et il m'a dit bientôt il y aura une réunion inter MC. Pas de sujet particulier mais discuter avec les nouveaux MC en ville et tout ça. On D'accord, verra bien. d'accord. Pareil, ça sert à rien d'en discuter tout de suite. Il m'a dit il n'y a pas de date, rien, ça dépendra de son presse. Et sachant que la dernière, ils l'ont annulée au dernier moment. Tiens, il y a une course-poursuite qui vient de passer. J'ai vu un toit de voiture rouge, un toit de voiture blanc et j'ai entendu des géros. Donc je suppose que la voiture blanche, c'était les flics. Bon, bah je vais aller faire un tour, moi. Toujours au chômage, Warren? Et oui, bah j'ai essayé de contacter le mec de Ron, là, parce que j'en ai marre de voir les stations autour de chez nous vides. Mais pas de nouvelles pour l'instant. Puis après, faut que je vois sinon deuxième choix, Tony, du coup, qui doit me dire last week-end pour une place ici. Ouais. Ça m'étonne qu'il ait pas encore fait le tri des employés parce qu'on est 4 jours là vendredi. Ouais, et puis la semaine dernière, je crois qu'on était 4 à avoir bossé. Bah après ça dépend en vrai parce que par exemple des fois je fais beaucoup de bouteilles mais j'oublie de les noter comme un guignol. Ouais, mais t'en avais noté toi quand même. Ouais, mais peut-être que c'est le cas aussi pour les autres, tu vois. Après Ouais. je veux pas les défendre, hein. Si c'est des branleurs, c'est des branleurs, mais bon. Moi je vois toujours les mêmes ici et je suis là quasiment tout le temps. Hein. À part quand on est tous ensemble, quoi. D'ailleurs, c'est bien, tu fais un effort, je suis fier de toi. De quoi? Enfin, ces derniers jours, t'as moins été avec Shanna. Ah! Bah, on l'a dit. Ah, attends, Donc il y a voilà. Alice qui m'appelle. Bon, du coup, je vous dis D'accord. à tout à l'heure. Bonjour, Et God bless. oui. Sale gars, c'est celle-là. Pourquoi le président balaie par terre? Allez, les mains en l'air là, tout de suite. Tu m'entends? T'as eu peur, Non, je t'ai vu. hein? Bon. Aïe. Oui. Il y a pas beaucoup de flics dans le coin, c'est triste. Alors oui, par contre, il y en a beaucoup au sud. Le problème, c'est que je souhaite prendre une voiture, enfin voler une voiture. En fait, ça peut être dedans, tu sais, c'est une voiture volée, donc c'est un plus dans mon casier judiciaire, tu vois. Ah, c'est vrai. Le problème, c'est que je sais pas comment on vole une. Donc, c'est triste. J'ai essayé avec des outils de crochetage. J'ai essayé de trouver des outils de crochetage, mais. Voilà, tu fais quoi? Bah là, je me suis arrêté au Yellow et je vais aller voir Aaron si c'est ouvert ou pas. Ah mais j'ai faut faire par Life Invader directement. Ouais, je l'ai déjà fait, mais j'aime pas attendre. Donc, du coup, je vais aller harceler Moi non le plus. président. Moi aussi. Bah, Mais allez, let's la go, queue, bah, Aaron, hein. il est là. J'ai l'information de quand il est là, il est là que le soir hein, Ah ouais? tard. Vers 18 19h. Même pas drôle. Viens, demande le numéro au pire à quelqu'un.
Allez. Comme ça, on va plus l'harceler. Allez, let's go. Attends. Qu'est-ce que tu regardes, toi? Ah bah putain, mais le... Okay. Bon. Oui. Je fais rien dire. Attends. Est-ce que là, je fais peur ou pas? Si ah là, je suis terrifié, là. Si j'ai le mec qui dit passe le numéro de ton patron STP, est-ce que tu penses qu'il va me donner gentiment? Tu lui dis pas STP, ça passe. Allez. J'ai un marteau en plus. On m'a demandé de prendre un marteau et lâcher la dague. Allez. Allez, c'est parti. Mip mip. Et qu'est-ce qu'il fait? Quel débile. Ah, le pire quoi. Qu'est-ce que je fais avec une équipe comme ça, quoi? J'allais trop vite pour faire ce que je voulais, mais... pas grave. Avance, ah toi, espèce de tête de cul là. Avance, ah espèce de tête de cul! Allez! Et salut Thierry! Ah ouais, moi je l'appelle petit Thierry. Bon! Bon, d'abord, tu vas nous louer un vélo gratuitement, hein, d'accord? Je rigole, Thierry, fais pas la gueule. Il rit. Ah oui, d'accord, j'ai pris une place pour... J'ai décidé de prendre deux places. La moto, c'est quand même... Le seigneur. Knock knock. Quelqu'un? Quelqu'un? Putain. J'avais personne ici, c'est pour ça que les pompes sont vides. Hein. Bonjour! Y'a quelqu'un là-dedans? Oh! Quelqu'un? Y'a quelqu'un? Pourquoi j'ai soif? Oh bah, on va aller chercher quelque chose où? Essaye d'ouvrir la porte. Putain. Je vais y arriver, je vais y arriver, je te jure, je vais y arriver. Je te crois, je te crois. Et je t'aurai à te faire. Ah ouais. Attends, on va aller quelque part, on va aller chercher à boire. J'ai ma petite idée là. Il est pas prêt. Hein. T'es pas prêt pour où je vais t'emmener. Hein. Je suis mineur, je te rappelle. Ah non, mais t'inquiète, tout est légal. Hein. Quand même, hein. Eh ouais, pas mal, et même pas amélioré, hein, de base. Vraiment bien. Ah.
J'ai cru que c'était un radar. Passe à droite, passe à droite. Mais non. Si veux, je te le paie, le machin. Ah ouais, j'ai plus de sous, moi, maintenant. Allez, go! Merci. Tu veux aller où, Hugo? Ah, tu veux? Bah, suis-moi, t'inquiète, je vais te montrer. T'es pas prêt. Hugo Comico. Ah non, non, du tout. Tu vois, c'est un endroit sympathique. J'ai couvert ça hier. Va me balancer. J'ai oublié le Kinder. Du haut d'un pont, ouais. Oh là là. Oh, je sais où tu vas. Ça, mon ami, j'en suis pas sûr. Trente minutes. Tu m'emmènes. Eh, suis-moi, t'inquiète pas. Non, je m'inquiète pas. S'il te plaît, pas là. Oh non. Ce qui est bien, c'est qu'au cours de chemin, t'as fini par comprendre où on allait. C'est vraiment le CV, quoi. Ah, bordel. Ah, j'adore leur petit cappuccino ici. Hey. Et puis en plus, si je peux caresser une petite chatte. Il y a des chats? Ouais. À moins qu'ils les aient pas reçus, mais. Et bonjour, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Et je reviens aujourd'hui. J'ai adoré ce que vous m'avez fait hier. Yes. Eh ben, écoutez, c'est parfait. Dites-moi tout, messieurs. Un cappuccino chacun déjà, s'il vous plaît. Et un cappuccino chacun. Tac. Vous avez toujours pas reçu les chats? Ah, malheureusement, non. Aïe aïe aïe. Mon ami, il était là sur la route depuis tout à l'heure. Putain, je vais enfin pouvoir caresser une chatte et tout. Ouais, bah oui, parce que quand même, c'est important qu'on ait les chats et tout. Bah oui. Moi, pour moi, j'ai toujours eu des chats dans ma famille et tout. Donc. Après, on les a commandés avec Prime, donc qu'est-ce que d'arriver sous peu? Je peux enfin caresser les chats, ok. Aïe 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 aïe. Lui à côté préfère les chiens. Hein. Ah non, je déteste les chiens. C'est plus les chiennes, quoi, enfin, bref. LR, hop, on va finir le menu. Aïe aïe aïe. Sinon, je mets la facture à qui, messieurs? Moi-même. C'est parfait. Je vous donne les deux ou je vous en donne à votre collègue? Oui, donnez-le à mon collègue. C'est parfait. Alors, comment tu trouves les lieux, cher prospect? Génial. C'est beau, t'as vu, ils ont même une porte en forme de chat là. Eh oui. Ah oui, c'est toc. Et merci bien. Et voilà pour vous. Je vous laisse régler du coup. Hop, je rentre ma carte. Hop. Paiement accepté. Je vous remercie. Merci à vous. Alors on va s'installer un peu dans le à côté, là, ça vous dérange pas? Ah, mais allez-y, faites-vous plaisir. Merci bien. Si vous avez besoin d'aide, on est juste là. Je vous remercie. Pas de soucis. Ah, on va pouvoir se poser un peu ras de près du feu là. C'est cloque. J'ai fait peur. Pourquoi? Ah, qu'est-ce qu'on est bien ici? Parce qu'on est bien ici. Boire ou pas, je peux... Ah oui, fais-toi plaisir, je vais boire Vous voulez? aussi.
Les meilleurs. Attends. Les meilleurs cappuccinos de la ville. Vous avez bien raison. T'as essayé d'entrer dans la chatière ou quoi? Et l'étage, il est privé ou pas? Oui, oui, c'est les bureaux. Ça marche. Bah, viens t'asseoir, prospect. Aïe, aïe, aïe. Attends, je vais essayer. Ouais, c'est vide. Hein. Okay. y a rien au fond. C'est les cuisines. C'était les cuisines? Allez, viens t'asseoir. Tu vas voler ma place? Ouais, celle-là, elle est chiante à accéder, j'avais pas envie de sauter. Tu vois, prospect, là. Là, il y aura des chats partout, ici. Tu pensais te voir dire ça? Tu vois, prospect, demain, le monde, il sera à nous. Ah, tu vois, prospect, demain, tu seras en prison. J'espère ça, mais oui, j'espère. Ah, et tu vois, prospect, un jour, tu feras tomber la savonnette. Ah bon? Non, ne la fais surtout pas tomber, la savonnette. Pourquoi? Bah, ça arrive des fois de faire tomber le savon et tout ça. Bah, si quelqu'un se rapproche de toi pendant alors que t'as fait tomber la savonnette, tu te retournes vite et tu lui en fous une. Bah, ça serait. Non. Tu vois, je vais pas lui foutre une gratuitement. Hein. Quand même. Dis-moi, prospect, est-ce que tu aimes ta virginité anale hein? Alors, on me la pose souvent cette question, du coup. Je la pose toujours cette question, oui. Et bah voilà, bah, si tu fais tomber la savonnette et que quelqu'un s'approche de toi. Par derrière, tu te retournes et tu lui en fous une. Sinon, tu auras plus de virginité anale. D'accord. Ça marche. À moins que t'aies comme Kendrick et que t'aimes ça, mais. Ah non, ça c'est non, ça faut arrêter. Est-ce que je suis pas encore. Oh, allez, attends. Donc, alors. Mon cher Warren. Oui. Hier, je me suis fait taper sur les doigts. Et pourquoi? Parce que, apparemment, Kendrick se serait plaint de ça. Il se plaint de quoi? Et qu'on dit justement ça, qu'il est gay, quoi. Ah! Et pourquoi toi tu t'es fait taper sur les doigts? Que je prospecte. Il n'y a pas d'autre raison. Mad Dag m'a dit ça allait donc Osef. Et c'est lui qui t'a dit ça ou c'est quelqu'un d'autre qui t'a dit ça? Moi c'est Dag qui m'a dit ouais apparemment il y a des prospects. Qui ont déconné sur Kendrick. Bah, j'ai assumé, j'ai dit que c'était moi. Mm-hmm. J'ai expliqué la situation, il m'a dit ah mais ça va. En gros c'est juste apparemment c'est des gens qui ont dit ouais. Des prospects font chier Kendrick. Alors que j'ai bien expliqué que c'était l'ensemble du club qui faisait chier Kendrick. Ouais. Prospect. Faut bien avoir. Bah, en même temps, on rigole parce qu'il passe son temps à faire le charreau. Non. Mais t'as vu ce qu'il a pris hein. Ouf, ouais, j'aurais pas aimé être à sa place. Je veux pas faire l'avocat du diable, mais il avait l'air sérieux hein, quand il disait. Bah, c'est le problème. C'est que. En fait, le problème, c'est que. Alors, en fait, il y a deux solutions, mais il y a un problème. Enfin, il y a deux problèmes, mais. Il y a deux problèmes, quoi. Enfin, il y a un problème,
Mais comme on ne sait pas quel est le vrai, il y a deux problèmes. C'est ça. En fait, Et du coup, soit on il a est défaut. menti, soit il nous a menti, et ça, c'est un problème. Ou soit il nous a dit la vérité, et le club ne l'a pas cru, la famille ne l'a pas cru, et ça, c'est un problème. Après, il avait pas. Après, je le vois comme ça, moi, mais si on me tape parce que. Bon, après, ce qu'il a dit ta gueule et tout, donc en soi, ça se comprend, mais genre, si je viens me faire frapper par le club, parce qu'en soi, ouais, c'est les femmes, mais ça reste le club qui a parlé, tu vois. Je pense que je me laisserai pas faire. Pas, je me frapperai, juste, je dirais non, mais il n'y a pas. Tu peux continuer de parler et je défendrai beaucoup plus qu'il s'est même pas défendu, quoi. Donc en soi. Je Après, sais pas, c'était particulier, quoi. le problème, c'est qu'il passe son temps à Charo, donc c'est difficile de le croire sur parole, quoi. Mais ouais, bah ouais, le problème, c'est que ça cause un problème, quoi. Parce que soit il a menti, soit il nous a dit la vérité, et y a un problème là-dedans. Anyway. Après, il y a un autre problème aussi, c'est pourquoi la réfé aurait menti aussi. C'est pas n'importe qui, quoi. Si, mais. Et c'est pour ça, comme il a déjà une réputation de charreau, à mon avis, il nous a juste menti C'est et ça. bah tu mens pas à tes frères en fait, t'assumes. Après, il avait l'air vraiment sûr de lui, quoi. Ouais. Après, il avait peut-être peur de se faire fumer. Hein. Il aurait qu'à dire oui, dans tous les cas, il allait se faire frapper. Hein. Vu comment c'était parti, tout le monde était réuni, dans tous les cas, c'était sûr qu'ils n'allaient pas dire ah oui, d'accord. T'assumes et puis C'est ça, tu et subis la tu colère et puis refais basta pas. quoi. Puis après tu changes. Après, est-ce qu'il va changer? Bah déjà il faisait la gueule donc ça m'étonnerait. C'est vrai qu'il fait. Ouais, mais dès que. Merde, dès que tout le monde est parti, il a dit je vais dormir. Ouais. Moi, enfin, après, c'est mon avis, mais quand c'est ça et que tu fais la tronche, tu le dis pas. Non, j'allais dire de la merde. Vas-y, je m'en fous. Il est parti bouder. Déjà que certains ouin-ouin pour ils sont pas passés coach. Ah oui, j'ai entendu ça aussi. Ouais. Enfin, bref. Nous, ça nous regarde pas. Après, nous, on ment pas avec mon frère, on était un peu dégoûté, mais il y avait tellement de trucs à dire que ça, on sait Ah, pas. mais si t'avais vu la gueule de la réunion. Oh là 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 là. J'ai pris un comprimé hein, pour le mal de crâne, parce que je te jure que quand à 1h30 on était là. Bon, il reste quoi comme sujet? C'est fini? Oh, c'est fini! Mais nous, on était derrière. En fait, nous, on était dehors et on était interdit de partir. Juste, t'imagines que pendant 3h30, on avait une seule attente, hein, on s'en foutait un peu du reste. Et je savais très bien. On attendait 3h30 à rien foutre. Ouais, ça a dû être long. Oui. Et bon. Ça allait. On avait des films. Oh oui, bon ça, du coup, t'as pas grand-chose à faire malheureusement, côté dehors. On ne saura jamais qui c'est. Si c'est André, je le fume. Parce que God bless, virgule André, c'est lui. Alors, c'est qui ce numéro? 97-27, on va y voir. C'est 624. Comment ça? Ah, c'est Max. Il est même pas dans l'annuaire. Hein. Ah bah oui, mais parce qu'il est arrivé, récemment. Ouais. Bah du coup, ouais, mercredi pour la réunion, je serai pas là. Bien, hein. Ça sent faut voir avec les maras et tout, donc ici, pourquoi on n'est pas des loups en train de parler là? Bon, on est bien ici. Non, viens, on va aller au yellow. On va bouger. Juste reprendre un menu là, et Un puis. Non, kebab? Ah non. oui, bien sûr.
Il me faudrait 3 cappuccinos du coup, je vous prie. 3 cappuccinos. C'est quoi l'autre déjà? Cheesecake. La bouffe, ici. Ouais, il y a de la bouffe. Hein. Tu veux en prendre 2 ou pas? Ça marche. En penserie, y a pas de soucis. C'est ça. Ça marche. Bonsoir monsieur. Et rebonsoir. C'est quoi l'autre menu à part le cappuccino déjà? C'est le menu cheesecake. Ah là bas, je vais vous en prendre 3, s'il vous plaît. 3, parfait. Hop. Tac. Ça marche. Hop, parfait. Je vais régler sur le TPE que je t'en passe. Hop, ma carte, et c'est bon. Merci à vous. Formidable, je vous remercie. Voilà, on vous remercie. Passez une bonne soirée. Merci également à vous. God bless. God bless. Oui, c'est vrai que c'est le casque qu'il me faut là. Alors, tu l'aimes ce café? Que dans la première, on s'arrête au Yellow Jack et Elle descend ta bacon que je te donne tes menus là. Ouais, c'est vrai, pardon. Hop, 2 cheesecake. Et merci. Je suis à combien du coup? Ouais, t'inquiète, c'est pour moi. Je te paierai un coup au Yellow. Avec plaisir. Ça commence à diminuer, hein. Faut vite que je trouve un travail là. Hey, j'ai une idée. Ouais. Le dernier arrivé. C'est une pute ou pas? Pas une pute, mais. C'est quoi alors? Paye cette année. J'ai déjà payé la mienne. Il paye une prochaine tournée plus tard. Allez. Attends, bah alors. D'accord. Aïe aïe aïe, allez. Heureusement que je suis bon joueur, hein. Allez go. T'as pas dessus, t'as pas dessus. Allez, ça dégage. Aïe aïe aïe. Heureusement que je suis bon joueur et que je m'arrête pour voir comment tu vas. Heureusement que t'as un frère putain. De quoi? T'es à terre. Ouah, tu sais, être à terre, être debout. C'est vrai.
Avec un peu de chance, il se prend le virage là. Eh hey, allez, c'est moi qui suis arrivé en premier. Allez, ça s'appelle être champion. Tu m'as niqué. C'était un beau. Franchement, je t'enverrai la GoPro. C'était un très beau. Ah, d'accord, et puis personne, à part le président. Franchement, je vais pas te mentir, hein, ce que j'ai fait sur la dernière ligne droite, c'était illégal, hein. Mais genre vraiment T'es super dangereux. Tu veux qu'on fasse ça se passe bien? ouais. Et avant de trouver les... Faut couper ma queue parce que je fais rien. Comment je l'ai niqué? Aïe aïe aïe. Bon bah. Ce sera pour une prochaine fois du coup, hein. Comment? Ce sera pour une prochaine fois du coup. Attends, mais. Non, attends. Ah, je sens les queues. Dis donc. Bonjour, au bière. Alors, c'est quand même la première fois que je vois un distributeur de queue de billard. Hein. Allez. Ok. Non, pas comme ça. Non, pas celui-là. Comment est-ce que je commence? Ah, bah, parfait. T'es une dégaine quand tu joues. J'ai hâte de voir la tienne. Pourquoi j'aurai la même et tu vas comprendre. Tu joues avec une main. Oh, t'es fort! Une main! Bon, t'as mis la balle dans le truc. Ouais, j'ai mis la blanche et une autre. Une main! Ah oui! Ah putain, non, t'es extra. T'es. Waouh! Ah ouais! Ah, je suis désolé, mais c'est. Oh. T'as pas vu encore ce que toi t'as. Oh, si, t'as comment t'as tourné autour de la table. Aïe aïe aïe. Oh merde, y'a un serpent, je l'ai pas vu. C'est lesquels? C'est des plaines ou c'est. Aucune idée. Oh merde, j'ai oublié de regarder. En plus. Vas-y, bah au pire, je fais les plaines. Je crois que c'est les plaines que j'ai. Ah merde, mais fais me dire après. Oh, je sais rien. Ah, c'est les solides. Je prends les solides du coup. Et toi, c'est quoi que t'as pris après? En fait, tu fais les solides et je fais les. Pas avec un avantage de fou. Ah, t'as pris les rayés. Mettre la balle dans le trou. Je suis débile, pourquoi j'ai pas rejoué? Eh, moi-même. C'est pas grave, vas-y, on reprend là ici maintenant, puis. Oh, bien joué! J'ai perdu? Ah oui? Ah bah non, bah pas bien joué! Ils m'ont perdu. Ah merde! Bon, bah pour le plaisir, pour le fun. Non, mais pour relancer, si tu veux. Aussi, ouais. C'est pour jouer ça.
Mais j'ai pas tout donné, tu vois, parce que pour réinstaller le jeu, bien sûr. Allez. Ah. Mais comment tu fais Pour. pour ne rien bouger? Tu sais que normalement c'est se relancer ça. Décidément, on a décidé de faire les plus petites vites, quoi. Attends, mais elle a... Elle est solide, hein. Alors. Comme Metal Gear, hein. Oui. Non! Oui! Non! Ah! C'est quoi? Mais je vais la mettre. Ah oui, mais comment veux-tu? Ah, t'as réussi à la mettre, hein? Bah, par miracle, certainement. Non, c'est trop fort au jeu. Non, mais c'est fou! Ouf. Regarde tout ce que j'ai mis! J'ai même mis la noire! Quel enfer. Ah bah merci du coup, hein. Mais avec plaisir, chef. Et la verte? Bon, ça, on joue Oui, on fléchard. continue, vas-y. Dans tous les cas. Parce que du coup, j'ai fait les bruitages de quand je joue, Ren. Ok, ça marche. Je vais la mettre, tu vas voir. Ouais. Oh, les bruitages, ça Alors, allons voir. Oui, là, je la sens bien, là. Je sens que je vais bien la mettre, là. Oh non, putain. Si. Mais de rien. Mais bon, t'as le bon courage maintenant pour placer une bonne boule là avec. Ah, coup, c'est là, c'est pas passé en vrai. Bravo, oui, une solide, ouais. Non, regarde. Ouais, t'as rentré une solide et une stripped. Ah oui, du coup, c'est... Ouais. J'ai posé la canne. Ouais, la solide. Allez. Ce move de Oh. génie. On peut pas jouer au fichier? Ah! Ah. Bon. Et non, mais je crois qu'il y a moyen en vrai. C'était vraiment un move magnifique. Bon allez, du coup, voilà. C'était sympathique, hein. Non, je vais l'assassiner le prez. Il est où? Qu'est-ce que tu fous là-dedans, là? Ah, passerie. Vient cramer directement le yalourt, en fait. Et tu es magicien? Et Non, allez. oui. Je fais rentrer des choses et je les ressors.
Putain! It's sieste time! Aïe 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 aïe. Quand on n'a que l'amour. La 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 la. Et boule, il a les boules. Et boule, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Je t'écoute. La bonne, on est ici. La mauvaise, on est enfermé. Oh, putain. Non, non. Je suis sûr que derrière c'est fermé aussi. En 30 secondes. À l'aide. Ah oui. Il nous regarde. Mais... Il est... Il y a quelqu'un dehors. Ouais, c'est le presse, il a moitié dans ses pensées. Ah, ok. Comment faire un bon billard? Ou essayer de jouer aux fléchettes? Fléchettes, allez. Okay. Moi, je passe pas par les portes. Ah, si. Est-ce qu'on peut jouer aux fléchettes? Machin, il est caché. Ah bah d'accord. En plus, moi, je voulais passer le permis de chasse, là. Ça va. Je vais vous faire ce soir. Je vais faire le mousquet.
sais qu'on peut, on aurait pu sortir le mousquet où on voulait, mais du coup, non. Dis-moi, H. Ouais. Est-ce que t'as un truc à boire, mais juste à boire hein. De l'eau. J'ai de l'alcool, c'est pas mal. Et ça rafraîchit, si tu vois ce que je veux dire. Je vais chercher des softs. Ça marche. Thanks, Sulu. Je mange une petite cheesecake. Ah oui, 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 parce qu'on. Je lui ai fait découvrir le café Ouh. Oh là là, mon dieu. Ouais, mon dieu. Aïe aïe aïe. Des photos compromettantes ont été prises. Mon agent infiltré était sur place. Je sais que c'est toi. Allons, moi je ne mets jamais les pieds dans un café Ouh. Mais t'es sur la photo. Bah du coup ça peut pas être moi qui l'ai prise si je suis sur la photo. T'as passé des caméras, tu savais que j'allais venir. Mais il t'a déjà pas dit au vendeur, je peux pas passer. T'as passé des caméras. Mmh. Ouais, j'essaie de. j'essaie d'avoir des vidéos de chat. Ça veut combien? Dos. Hein. Dos. Deux. Yep, yep. Boire. De l'eau. On met de l'eau ou pas ici? Si tu veux de l'eau, il y a un abreuvoir dehors pour les chevaux. Pour les quoi? Pour les chevaux, merci, tiens. Hop, ah, pour les chevaux. Bon. Ou pour les chevaux, si tu veux, en fonction de là où tu viens, d'où tu viens. Les merci. Chevaux, les animaux. Aglou, 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 aglou. Aglou, aglou. Oui, le dos. Attends, parce qu'en vrai, il y a un truc que j'ai réussi à faire un jour. Mm-hmm. Alors, attends. Oui, c'est ça. Mm-hmm. Allez, hop là, contention. La 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 la. En vrai, les Icola, c'est pas worse. Hein. Attends, je vais reprendre celui-là, voir. C'est moi qui l'ai retrouvé. Ouais, ça me rafraîchit pas beaucoup, les Icola, c'est dommage. Non, le mieux, c'est les menus. Ouais. Quoi comme menu ici? Il n'y a pas de menu ici. Ah oui, ouais. Ah oui. Mais il n'y a pas des cacahuètes, des trucs comme ça hein. Non. Il sort plus jamais ton téléphone. Et du corps, moi. Qu'est-ce qu'on a comme mode pour Revelation? Évidemment, pourquoi est-ce que le premier qui tombe c'est Naked Jill hein? Vente de CBD.
Oh, je vois un truc là, moi je pense, puis je vais aller manger. Excuse-moi, je t'écoute pas, je vois 2048. Ah bah d'accord. Ah, je disais que je vais rentrer au T'aimes club quoi? pour aller manger. Tu Mais... restes là ou pas? Non. Je te raccompagne. Oui. Je paie pas le péage. Il s'y fait. Ah, je l'ai vu tout à l'heure en passant. C'est la moto de Dax, ça, non? Ah bon? T'es sûr? Ah oui. Je crois, je suis pas sûr, non, mais... Faut pas force, hein, malheureusement. Bizarre. Bizarre, bizarre. Oh putain. On m'appelle le Terminator. Non. Plus que c'était plus que c'était pas une route communale. Les amis arrivent au club. On paye une deuxième tournée. Hey, d'ailleurs, j'ai gagné, tu m'as pas payé ma tournée, hein. Non, mais t'as pas réclamé. Ah bah c'est pas moi de réclamer, hein. Hop là, une petite Indiana Jones là. Il va se bouffer la barrière. Ah non, même pas, c'est bon. Ba-da-da-dam, tam, tou-dou-dou-dou-dou-dou. This is the end. Faudrait que tu passes aux EMS aussi tout à l'heure, hein, du coup. Qu'est-ce que tu m'as dit? Faudrait que tu passes aux EMS. Hein. Non mais c'est quand même con, hein. Encore une fois j'ai gagné, encore une fois tu te retrouves à terre. Hein. Putain, je vais aller chercher ta moto parce que... Faudrait quand même que tu m'expliques comment t'as fait pour tomber. Mais attends, mais t'es KO? Lâchez les GoPro, ouais. Faut que j'appelle les EMS. Hein. Aïe aïe aïe. Qui sont les EMS là-dedans? LSMD.
Oui, je veux appeler le SMD. Ça répond pas, salaud, salaud de privilégié. Ah, yeah. Eh ben voilà, va falloir que ça t'achève. Hein. Non, pas obligé, il est là. Ah, il s'est pris battu. Quoi? Absolument pas. Où est-ce que c'est déjà? Putain, je vais t'amener sur les canapés, tu vois, ça va te, tu vas te remettre là-bas. Apparemment, on peut pas. Chaque fois qu'on sort, lui et moi, ça finit toujours en mort. Malou. J'ai mal là. Pas des cœurs. Ah, voyons voir. Oui, je vois là, tu as mal là, hein, oui. C'est mérité, grosse merde. Oh la violence! Oh la balle perdue! Il lui arrive. Il est rentré à fond, puis il est tombé. Ah ouais, bah c'est mérité. Aïe aïe aïe. Bon, allez, moi j'ai un permis de chasse, ça est passé. Et ça marche, tout à l'heure, bon permis. Merci. Tu t'es pris une balle perdue là. Ah là là, putain, t'as encore pris un accident alors que c'est encore moi qui ai gagné, c'est fou ça. Ah là là. Perdu. Ah. Ce qui compte, c'est la moto qui rentre, pas le corps. Ah, voilà, ok. Allez, je te passe dessus en plus. Hop là. Je vais ranger ma moto, tu m'en veux pas. Hein. Je vais rappeler le SMD. Ça, ouais. Ah non, j'ai failli appeler le LSPD. Aïe aïe aïe. Oui, allô, bonjour. Je vous appelle parce qu'on a un mort là au clubhouse des Lost. Oui, la morgue du coup. Ok, bon, on vous attend. A tout de suite. Ils vont venir chercher ton cadavre. Nickel. Putain, mais c'est quand même fou qu'on puisse pas joindre le SMD, quoi. Puis même dans le nord, ils sont fermés. Bon, bon. Il te reste combien de temps, tu penses, en te remettre, là? Toi, David, il te reste combien de temps?
Hein, ton avis? Toi, c'est combien de temps avant de te remettre pour que je te remette par terre? C'est marrant en plus comment t'as atterri. Alors, je sais pas si on voit vraiment la même chose, mais on dirait Jésus. Je suis un dab. Bon. Ah. Si avec ça tu passes pas full patch, je comprends plus rien. Hop là, t'y as cru, hein? Je peux rater avec mes jambes. T'imagines tous les autres qui arrivent avec toi par terre et moi la batte au-dessus là. Hey Warren, qu'est-ce que t'as fait? Jamais je passe full patch. Tu seras plus vivant, non? Je retrouve plus ma pelle là. Attends, je vois un ingénieur idée encore. Hop là, allez. On est vraiment les pires. Hein. Aïe. Et God bless. Oui, j'ai pris, s'est bouffé à la porte en arrivant trop vite. Oui, il est KO. Il a un peu sonné, il va se remettre d'un instant à l'autre, mais les EMS n'étaient pas disponibles. Hein. Il n'y en avait pas. C'était pas là. Hein. Du coup, bah, il va réfléchir à sa façon de rentrer dans le club. Aux EMS? Ah, non, non. Je l'ai appelé 3 fois, personne qui a répondu. Et dans le nord, il n'y a personne. Bon après il avait le casque donc ça va amortir la chute quoi. Parce que c'est beau, ça a quelque chose de poétique un prospect par terre comme ça. Ah évidemment, je disais que c'était poétique, espèce de connard. Ah, attends, il a peut-être pas eu la parole, hein. Il a peut-être un œdème là. Ah ouais. Ouais. Putain, je devais aller manger et tout là. Aïe aïe aïe. Il s'est pas pris un méchant coup, j'espère qu'il va rien avoir. Comment?
Allez, c'est parti. Ah bon? Ah ouais? Putain, mais Tidwag m'a dit de prendre celle-là ce matin pour aller à la pêche. Il est pas ouvert. Hein. On va sortir à la vanne. On va sortir à la vanne. Ouais, j'ai compris. En fait, c'est que je voulais sortir du garage sans sortir le véhicule, mais en fait, ça a sorti les deux en même temps, tu vois. Merci. Ouais, on rend personne par contre. Comment? Pourquoi je l'ai pas moi? Ouais, ça va. Attention! Et tiens. Il s'est passé quoi du coup? Bah rien. T'as dit attention. Ah bah oui, attention, tu vas prendre une voiture. Oh bordel, je sais pas ce qui s'est passé, mais c'était étrange. Non mais c'est... J'ai l'impression d'avoir trop freiné, tu sais, d'un coup. Parce que, ben... Oui, mais ça fait pas ça. Donc je sais pas. Ouais, parce que sinon j'allais me faire démonter si je rentrais à 10 000 km/h dans le club. Entre le club et Mira. C'est là. C'est juste là. Ça, c'est incroyable ça. Je sais pas si c'est incroyable, mais. C'est facile à trouver finalement. Sa moto là-bas au fond ou pas? Ah bah là-bas, bien là. Il cherche sa moto au fond, c'est assez. Ah non. Ah, force à elle, hein, parce qu'il y a qu'une TXT là.
Quoi? Complex? Quoi? Comment ça, y'a que l'unité X qui est là? Ouais, apparemment y'a que l'unité X qui est là. Hein. Parce que justement, on vient chercher Prospect à l'hôpital. Bah, parce ils marquent qu'ils sont en service, du coup, mais. Y'a personne. Ah. Non, mais. Appeler, ça sert à rien, ils répondent jamais. Mais ils sont même pas là, l'hôpital est fermé donc. En plus, il y avait le BCMD là qui était en service il y a 2 secondes et ils sont plus en service aussi. Sa moto elle est juste derrière là-bas. Ah. Jamais. Tu t'es fait devancer. Ramène-moi au club avec la voiture, s'il te plaît. Oh. Allez, cours, Prospect, cours. Non, cours pas vraiment si t'as mal. Hein. Bon, je vais vérifier. Elle respire et elle réagit quand je demande de serrer ma main. Mais... Non, en fait, moi je suis arrivé, j'ai vu la moto coucher un peu plus loin là-bas. Du coup, bah, réflexe d'ancien motard, bah, je l'ai redressé, je l'ai garé comme il faut. Et tu sais, moi je me suis dit qu'elle avait eu mal à la tête, tu vois, donc elle allait revenir, reprendre sa moto et repartir. Et en fait, en continuant d'avancer par ici, bah, je l'ai vu au sol. Et c'est là que j'ai compris que tout était lié. Mais je sais pas comment elle a fait ça, je sais pas ce qui s'est passé. En tout cas, elle a fait un sacré vol plané, parce que pour que la moto soit là-bas et qu'elle reste ici... Oh, vraiment? Vous êtes pas très doué. Il sait pas conduire, c'est tout, regarde-moi. Il est à contre-sens. Oui, c'est pas faux. Et il sait pas conduire, je fais pas rien. Lui, il passait par quoi, TF Piéton? Direction au ça portail, va hein. L'UTX qui va l'emporter là. Regarde, faut pas y a les pimpons là. C'est pas un ah ouais, il y a les pimpons là. Ouais, pimpons, ouais. Et hop là, c'est parti. Ah bah tiens, je peux en profiter pour grimper avec vous parce que je dois aller au parking de l'hôpital et ça m'arrange. Ouais. Merci. Et deux adaptations quand même de ce show. Contre ton repas, c'est tout. Ça va, t'as un micro-ondes quand même. Manger froid, ça passe aussi. Pas sûr que l'effet escompté soit vraiment très présent. Ouais, tranquille. Ouais, Et plutôt la moto, hein. Ouais, bah t'inquiète, hein, mon adrénaline elle peut être reste. Voilà, oui, d'accord, t'as compris. Alors. Ah, alors ça c'est gentil. Alors non, parce que du coup c'est en haut. C'est non, c'est pas... Aïe. Ah bah voilà. Mais c'est très gentil. C'est parfait, merci bien, à plus tard, faites attention à vous. Elle est là.
God bless. Allez, à tout à l'heure, hermano. T'es espagnol, Iria? Quoi? T'es espagnol, Iria? Non, non, non. C'est juste que je passe trop de temps avec lui, donc à force, je prends l'habitude de l'appeler hermano. Un concite qui décide de faire une queue de poisson face à une bécane et qui continue après sa route. Et genre, j'ai pas fait un long vol plané, hein, c'est juste ma bécane, elle a continué à rouler toute seule. Oui, un peu, genre légèrement, genre, c'est pour ça qu'on les appelle les concites, ouais. Juste pas de chance quoi. Oh là là, ma bécane est bien garée en plus. Oh, ça va. Good list.